Alors, bonjour tout le monde. Je viens faire la guidance du mois de juillet, d'accord? Donc, du 1er au 31 juillet. Donc, on va commencer par le tarot des anges pour voir, d'accord? On va voir ce qu'on va sortir. Voilà. Puis après, bon, je fais comme d'habitude, hein, vous savez, les guides, les anges, voilà. Alors, que pouvez-vous nous dire pour le mois de juillet 2021, donc du 1er au 31 juillet. Alors celui-ci, c'est vrai que je m'en sers rarement, mais là, mon guide m'a dit de le prendre. Alors, on me parle de roi de la terre, généreux, professionnel, responsable et pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Voilà. D'accord? Donc, généreux, professionnel, responsable. La réussite. Ok? Les occasions qui vont s'ouvrir à nous. Alors, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour le mois de juillet 2021? L'éveil. L'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Donc, à vos racines, à vous. D'accord? À votre façon d'être. S'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour le mois de juillet 2021? Hop, 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 ça vole, hein. Ça vole, ça vole, ça vole. Alors, on me donne le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Vous voyez, je vous dis, il y a plein, plein de choses qui se passent, hein. Ok? Voilà. Même si ça se passe en sous-marin, moi je vous dis, ça se passe. On a le magicien, l'archange Raziel. Vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Le magicien. D'accord? Donc sortez votre baguette magique, hein, par un volant. Il va falloir faire quelque chose. Et je crois qu'il va falloir qu'on le sorte un peu tous parce que les gens deviennent fous. Il va falloir qu'on sort la baguette magique et qu'on leur demande un petit peu de lumière dans leur cerveau. Voilà. Ensuite, nous avons le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Donc, faire travailler votre enfant intérieur, hein, rire aussi, d'accord? Vous amuser, passer voilà, du temps à faire des choses que vous aimez bien, ok? Mais en même temps, vous voyez, il va y avoir quelque chose par rapport aux enfants. Alors, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Oh là, il y en a beaucoup trop. Que pouvez-vous nous dire pour le mois de juillet 2021? Quel message avez-vous à nous donner, s'il vous plaît? Alors, on a l'empereur, l'archange Michel. Organisation et logique. Structure et discipline. Le leadership. D'accord? Donc, le grand patron, hein, ok? Qui remet les choses en ordre. C'est à prévoir, d'accord? C'est que logique. On a le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc on est maître de son destin, d'accord? Voilà. Il faut être motivé. Alors, il y en a une autre qui est sautée. Donc, il faut vraiment être concentré au mois de juillet, d'accord? Le 2 d'air.
incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc il va falloir, vous avez vu, être motivé et surtout se concentrer sur le problème, hein, ok? Et là-dessus, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir, vous voyez, avec l'empereur, hein, organisation et logique, structure et discipline. Alors, que pouvez-vous nous dire pour le mois de juillet? Alors, on tire plus de cartes, c'est normal, c'est pour tout le mois. Le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Alors, on a le 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir, donc des nouvelles choses qui arrivent au mois de juillet, d'accord, mais pour notre bien, ok? Alors, s'il vous plaît. En tout cas, vous voyez, on va célébrer quelque chose, hein. Alors, on a le 9 d'eau. Vos souhaits se réalisent. Les soucis s'estompent. L'amour de la vie. Et on a le 8 d'eau. Alors, toujours ces problèmes d'eau, hein, vous voyez, l'eau sort souvent. On a le 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Donc on y va, d'accord? Voilà, on va passer à autre chose. Pour moi, c'est pas des mauvaises cartes du tout, hein. Moi, je vois qu'il y a l'éveil, hein, voilà. La réapparition de quelqu'un qui un grand chef, hein, voilà, donc peut-être canard, hein, voilà, on verra. Voilà pour le mois de juillet. Alors maintenant, on va demander à l'oracle des anges, que pouvez-vous nous dire pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît, juillet 2021, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour le mois de juillet 2021. Je savais qu'il y en avait une qui était tombée, mais non. Alors, relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc surtout, 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 on continue de demander l'aide de l'univers, d'accord, de Dieu, de... Enfin, voilà, votre façon à vous d'appeler, ok? Voilà. Donc, on peut lui demander son aide. Et surtout, surtout, il faut bien rester dans la foi, d'accord? Il faut garder la foi, très important. Alors, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour le mois de juillet 2021? Voilà, alors, on a Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects.
D'accord? Donc, rester dans l'amour. Alors, pas seulement l'amour, voilà, entre un couple, hein, voilà, mais même entre personnes, entre êtres humains, hein, il faut rester dans l'amour et surtout garder la foi, vous avez vu. Alors, maintenant, on va demander à l'ange indigo, s'il vous plaît, l'ange indigo, quel message à nous donner. Alors, on nous parle d'excuses. Donc, on va peut-être trouver des excuses. Mais il va peut-être falloir aussi excuser certaines choses à certaines personnes. On peut demander un signe. Alors, s'il vous plaît, quel message pour le mois de juillet 2021? Juillet 2021. S'il vous plaît, on s'envole. Voilà, vous savez déjà. D'accord? Donc peut-être que on veut vraiment être sûr, hein, voilà, de ce qu'on pense. Donc on peut toujours demander un signe et puis si on s'est trompé, on n'oublie pas de s'excuser. Voilà. Alors, pour l'ange gardien, bon ben voilà, ça vole déjà. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pacotilles alors que tu as toutes tes possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Donc il faut vivre, il faut vous amuser, il faut sortir, il faut bouger. D'accord? Voilà. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc surtout, surtout, écoutez votre intuition. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses. Et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières, que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche. Nous sommes là pour les écouter. Donc, vous voyez, je vous ai dit, hein, faut garder la foi, continuer de demander l'aide de l'univers. Mais aussi, vous savez que les anges gardiens ne peuvent pas tout faire pour nous, et là, ils nous disent, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. On a toujours le libre arbitre, hein, d'accord? Donc, ça, faut pas l'oublier. Très important. Alors, on a notre libre arbitre et il faut écouter nos intuitions. Alors, pour le message des guides, c'est pour le mois de juillet. Faites que chaque jour compte. Vous voyez, je vous ai dit, il faut ressortir votre enfant intérieur, il faut vous amuser, il faut sortir. D'accord? Qui se ressemble, s'assemble. Alors, essayez de rencontrer des gens qui ont le même point de vue que vous, d'accord? Passez des bons moments ensemble et ça va vous aider. Alors, est-ce que les guides ont encore un message pour nous pour le mois de juillet? Il y en a trois. Hein. Assumez la responsabilité de vos actes. On est aussi responsable, ok?
fiez-vous à votre intuition et pardonnez-vous. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas écouté votre intuition, hein, peut-être que vous n'avez pas compris les choses, ben c'est pas grave, il faut vous pardonner. Alors, on va sortir une petite carte de amour et lumière. Passez plus de temps à l'extérieur. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. D'accord ? Donc vous, c'est pareil. Quoi que vous entreprenez, quoi que vous décidiez, vous allez réussir. Mais il faut le vouloir. Alors, message pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Petit message pour le mois de juillet 2021. Que pouvez-vous nous dire? Éloignez-vous de l'illusion, approchez de la vérité. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu et de son salut. Vous vous souvenez des messages des guides que j'ai eus l'autre jour quand on m'a dit que c'était bientôt terminé, d'accord? Et que, je ne sais même plus ce qu'ils m'ont dit, les charlatans allaient tomber, d'accord? Aussi bien haut placé que à un niveau, voilà, ok? Toute la tromperie sera dévoilée. Alors moi, je ressors au mois de juillet. Voilà. Alors, je ne vous dis pas si c'est le début ou la fin, mais vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup de choses et sur beaucoup de monde. Voilà. Alors, s'il vous plaît, de toute façon, vous voyez bien que ça change, hein. Même le temps, on n'y est pas. Enfin, voilà, on est fin juin et on rallumerait bien le poêle. Prêtez attention à vos rêves. Alors, ma prière, merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc là, vous décrivez la situation qui vous embarrasse à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Faites attention à vos rêves et voici. Prenez votre temps pour décider. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Voilà, donc il va y avoir des décisions à prendre, d'accord? On l'a vu tout à l'heure, mais prenez votre temps. Alors, il y en a encore beaucoup là, hein, mais bon, c'est pour un mois, donc on va les prendre, hein, voilà. Admirez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Vous nommez les personnes que vous voulez protéger, d'accord? Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Vous êtes en sécurité et vous pouvez demander l'aide de l'archange Michael et même de l'univers.
Vous êtes constamment protégé. Donc, vous voyez, avec tous les messages qu'il y a, n'ayez pas peur de ce qui va arriver au mois de juillet. Vous êtes vraiment protégé. D'accord? Et c'est pour ça que beaucoup de choses se passent en coulisses. D'accord? Justement, pour pas qu'il y ait trop de dégo. Je vous ai dit, quand les vérités vont sortir, et c'est pour ça qu'ils vont sortir petit à petit, parce que des personnes vont vraiment avoir beaucoup de mal. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle, d'accord? J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. C'est vous qui créez cette situation et avez le pouvoir de le transformer. Vous voyez, je vous ai dit, on a tous notre part de responsabilité. Si on accepte tout ce qu'on nous impose, ça n'avancera jamais. D'accord? Mais si on veut que ça avance, si on veut que ça va un petit peu plus vite, eh ben, nous aussi, il faut participer. D'accord? Il faut qu'on soit aussi acteur dans ce film. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Voilà, donc on a le pouvoir de transformer cette situation. D'accord? Voilà. Alors, on va regarder pour les énergies de juillet. Alors, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire? Alors, je répète, hein, ce sera une vidéo un petit peu plus longue, mais c'est pour un mois, du 1 au 31 juillet. S'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour le mois de juillet 2021? Vous voyez, il y a un changement de direction. Il va y avoir des changements. Alors, peut-être aussi que vous, vous devez changer de direction. Peut-être que vous n'êtes plus à votre place. Attention aux mauvais choix. Alors, s'il vous plaît, que pouvez-vous? Hop, et puis ça tombe en plus. Surtout communiquer, d'accord? Ça va vous éviter de faire des mauvais choix. La communication est très importante. Alors, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour le mois de juillet 2021? Et voilà, hop. Alors, on a le lâcher prise parce que on va avoir quelque chose de positif dans ce mois de juillet. D'accord? Oui. Hein? Donc c'est quelque chose de positif. Il faut lâcher prise. Voilà. Alors, on a ça et on va demander aux anges, s'il vous plaît. On a expérience qui est avancée sans crainte. D'accord? Donc, il faut avancer. S'il vous plaît. Alors, on a l'illumination. Le réveil est proche. On a la clairvoyance. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Donc, il va falloir ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors, on pourrait dire aussi que ce qu'on vit actuellement, d'accord, c'est des expériences qui font, mais on va vite ouvrir les yeux et vite se réveiller. On a l'activité. C'est vraiment le moment d'agir. Moment d'agir pour la guérison. D'accord? Donc la guérison va commencer.
si on agit, ok? Mais il faut agir en même temps, être patient, d'accord? Ne cherchez pas à brusquer les choses. Voilà. En tout cas, vous voyez que, pour moi, mais ça on va faire un tirage, hein, pour moi, on va être informé des expériences qu'ils ont fait par rapport à toute cette picousse et tout le train-train, ok? Vitalité. Il est temps de changer certaines habitudes. Voilà. Donc, il faut avancer, d'accord? Il ne faut pas stagner, ça ne sert à rien, parce que sinon, ben, ça nous ennuie, ça nous ramène des énergies négatives et tout, c'est pas... Enfin, voilà. Il faut pas, hein, d'accord? Donc, il faut avancer. Mais pour avancer, il faut aussi se mettre en action. Vous voyez peut-être qu'il est temps d'agir, hein, d'accord, pour aller vers la guérison, d'accord, et pour la guérison, bah, peut-être que aussi il faut changer d'habitude, ok. Voilà. Voilà, voilà. Bon, et ben, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Bon, je vais revenir tout à l'heure. Pour faire le tirage, hein, comme ça, ça sera fait, parce que sinon je vais encore être en retard, mais je suis désolée, hein, j'ai énormément de travail. Vous regardez sur le site, vous allez voir qu'il y a des nouvelles orgonites, voilà, il y a des nouvelles choses, et puis, il y a de nouvelles emmerdes aussi, voilà, des accusations mensongères et des soucis, des cela qu'il faut régler. Donc je pense que, je ne sais pas, je vais peut-être prendre un abonnement à la gendarmerie, je pense que ça va aller beaucoup mieux, voilà. En tout cas, moi, vous voyez, je ne reste pas à rien faire, hein, voilà. Et c'est dommage pour ceux que ça dérange. Alors, je ne parle pas seulement des chaînes YouTube, hein, voilà. Vous savez, même dans les familles, hein, il y a des problèmes. Hein. Désolée pour ceux que ça dérange, mais en aucun cas, moi, je ne me laisserai faire. Voilà. Que ce soit clair, net et précis. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et surtout, soyez confiants, ayez la foi, bougez, d'accord? Faites des activités. Faites des choses qui vous font du bien, d'accord, qui vous mettent dans la positivité. Regardez, moi je suis toujours positive et je suis toujours voilà, en forme, hein. D'ailleurs, vous demandez comment je fais avec tout ce que je suis, ben écoutez, voilà, c'est à vouloir, voilà. J'ai décidé que ma vie serait comme ça et donc elle est comme ça. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée.